Allez, hop. Je remonte le micro. Alors, ceux qui viennent d'arriver ne vont pas comprendre pourquoi. Mais tout, vous inquiétez pas, tout va bien. Petite dédicace à Émile. J'aime plus si j'ai baissé le son de TikTok. Oui, bonjour. Ça va, je te dérange pas trop, non? Par hasard. Ah, mais Mimi! Oh, t'es casse cacahuète, je te le dis. T'as fini un peu. Oh, la casse bon. C'est bien lu. Qui c'est qui a fait ça? Ah, quand même, MDR, coucou. Bah oui, quand même quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, cher ami? Tu commences? Tu commences que ça? T'arrives, tu dis déjà des ah quand même? Tu es plus bien. Tu vois un pupien, petit? Hop! Salut, Jérémy. Comment tu vas? Attends, sur Discord, ça marche bien, mais là, ça marche pas. J'espère qu'après, avec le jeu, ça marchera mieux. Parce que sur Discord, ça marchait super bien hier. Sur coup, c'était tout choupitou. Je me suis dit, tiens, c'est parfait. J'ai cru que tu allais live, mais je savais plus quoi regarder. J'ai cru que tu allais jamais live, mais je savais plus quoi regarder. Ah oui, parce que tu viens chez moi que quand tu sais plus quoi regarder. Ok, sympa, merci. Ah, c'est dommage qu'avec le filtrage de cette... Attends. J'essaie de voir si je peux changer. Parce que sur Discord, ça... Ça fait pas pareil. Sur Discord, ça marche bien. Attends. On va essayer de réparer ça. Ah, suppression de l'arrière-plan, ok. On les voit pas, les chicrouilles. Sur Discord, on les voit. Oh, tu viens juste de lancer, j'arrive à temps. Oui, j'arrive, je viens tout juste de lancer. Je voulais faire quelque chose, mais ça marche pas. Sur Discord, quand je fais, ça marche. Hello, Marianu. Comment ça va? Je voulais mettre les chicrouilles. Mais les chicrouilles, elles veulent pas. Les chicrouilles, elles veulent pas. Je suis triste. Je m'énerve un peu, c'est tes chicrouilles. Je suis fracassée, mais ça va, et toi? Bah écoute, je suis fracassée, mais ça va aussi. Team fracassée, bienvenue. Pour la peine, elles resteront chez les chats. Voilà. Vous n'aurez pas là, les chicrouilles. Je vais quand même la mettre au cas où. Si à un moment donné, elle arrive à se faire capter, j'en laisse une sur mon micro. Non, hier, en fait, le délire, c'est surtout que hier, sur le live radio, pour ceux qui étaient là, bon, Orca, il est pas là parce que je sais que lui, il était là, j'ai réussi à faire une décoration avec avec mon micro et mes sicrouilles. Mais là, avec le filtrage que j'ai sur cette... pour le live, ben, sur coup, ça marche pas. C'est dommage, parce que ça aurait fait une jolie déco.
Voilà, je vais pas m'en remettre, hein, je vous le dis. On va en avoir pour au moins 6 semaines à en entendre parler de cette déco. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est n'importe quoi, comme d'habitude. C'est n'importe quoi. Et t'es en arrêt, Jérémy, t'as quoi alors sur coup? Allez, vas-y, je prends le train en marche, hein, je vous le dis, moi. Hop, ça c'est fait, Jérémy. Hop. Et ma femme, c'est bien passé ton week-end? Ah là, la citrouille, ça passe, mais vous voyez tout le bordel chez moi. Non, merci. Vous avez eu le petit flashback qui est passé. Ouais, ça arrête pas de sauter, ouais. Bon, j'espère que vous avez fermé les yeux quand mon chez-moi est passé, hein. Vous savez que j'ai une idée en tête. J'en ai pas parlé encore jusque-là. Alors oui, la prochaine idée, c'est mon PC. Moi, ça a sauté pile à ce moment-là. Yes! Pardon. Comme par hasard. Exactement. Tout est calculé ici, faut pas croire. Je donne l'impression de rien gérer. Mais tout est calculé. Tout est orchestré de main de maître. J'ai des années d'expérience maintenant. 3 ans d'expérience, faut quand même que ça se voit. J'essaie de me convaincre, hein, je crois. Hein. Eh, hey, Frostpunk, tu te calmes. Mes oreilles, merci. M'a pété les esgourdes. Bon, ma femme, comment s'est passé ton week-end? Sur coup, j'ai pas vu, tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui, pourquoi, ma femme? Parce que bon, là, oh, je suis larguée les amarres. D'ailleurs, je te fais un SO, ma femme. Et je fais aussi un SO à Petit Piwi qui est en live, d'ailleurs. Je suis en leurre chez lui, donc il le sait. En plus, il dirait. Oh! Oh, c'est pas ce clip! Oh. Ah oui! Ok, non, c'était pas prévu! C'était pas, pas prévu! Oh, le gros là, dommage collatéral! Alors, non, c'est pas une collate! Je voulais en toucher au moins non, un de vous deux! Ça, non, j'ai toujours pas d'expérience! Mais je pensais pas que ça allait le foutre mais à l'eau! C'est pour quoi. Ça que tu vas être mon ultime test! Désolé, Jérémy, c'est tombé sur toi! J'étais très très loin de la pitié. Oh, il faut que je fasse aussi un SO, ma petite princesse. Excusez-moi, hein, je fais la tournée des SO, vous connaissez. Titi, si un de vous deux a le moyen de me le clip, je puisse envoyer ça à quelques personnes. Pourquoi vous me voulez tous? Pourquoi la liste est si longue que ça? Tu m'as demandé si mon week-end s'était bien passé et je t'ai répondu oui. Merci ma femme pour la traduction, tu sais que je pose des questions et qu'après je les efface aussitôt de ma mémoire. Oh my god. Ah oui, le fameux j'ai pas de main. Oh non, ça vous le vrai. Oh oui. Ah hier soir c'était pas que le 2. Dieu. Mais ma petite princesse qui vient enfin d'avoir ses 50 follow et sur coup il lui reste plus que les 3 mais j'ai mis la majuscule sur pour mon pouvoir, prétendre à la filiation donc on va essayer de la pousser la petite. Comme on en a poussé plus d'un, on peut aussi la pousser elle. Tant que je vous pousse pas dans les ravins, ça va. Je te vois venir, vas-y, viens. Bonjour mademoiselle. On dit bonjour quand on passe comme ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te plaît pas?
Qu'est-ce qui te plaît pas ? Belle demoiselle aux yeux bleus, comme ta maîtresse. Enfin, après, belle demoiselle pour ta maîtresse, passera. Qu'est-ce que tu veux ? Eh, par contre, tu vas pas faire que ça. Que j'ai pu se faire joujou quand même, j'ai des gens à sauver. Bah oui. Alors, du moins essayer. Par contre, qu'est-ce qui manque ? Parce qu'il faut vraiment qu'on se focalise. Alors, il me manque des maisons, parce qu'ils ont Isokai. Je vois pas pourquoi. J'ai pas de quoi fabriquer, ça c'est cool. On est bon. Tu m'aides pas. Oh, un petit chat. Non, il y en a trois ici. Il y en a trois ici. Tu vas dedans ? C'est pour ça la deuxième cam, tu vois. C'est pas pour juste regarder des caisses pas jolies. C'est que c'est les dodos. revêtement d'amiante, le garde de voix propose une nouvelle idée. On sait que l'amiante, c'est pas bonbon, quoi. Je pas. En même temps, je. Ça va ? Je te dérange pas ? Je te jure. Qu'est-ce qu'ils ont à brailler ? Aïe, aïe, aïe. Je sens la catastrophe, je vous promets. Ah ! J'ai pas... Attendez, on revient. Bon, on fait un pool. Mimi, ici. Vous avez vu le dressage ? Eh, y a du dressage. Par contre, t'es pas obligé de me faire mentir 2 secondes après. Cas où ? Je sais pas. Essaye de faire croire que je sais faire quelque chose quand même. Alors, c'est enfant sauvage. Je vous le lis après, mais je vous fais le pool. Comme ça, vous avez le ton de vos tailles. Promettre de régler le problème. Je sais plus écrire. Oh là, hey, sérieux, j'ai fait un. Oh là 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 là. Enfin, j'ai jamais su écrire en même temps. Oh. Hein, Mimi ? Tout ce que je sais faire, c'est faire des câlins. Oh, fille. Non, même pas. Que dalle. Ok. Je te dérange pas trop. Oui, mais alors tu fais des câlins à ma main alors que je peux pas. Mais oui, mon pépé. Je suis en train de taper. Attends. Voilà. On va commencer le sondage. Mon petit pépé. Mon petit pépé d'amour. Mon petit pépé d'amour. Oh, mon foufou d'amour. C'est bon, tu descends ? Merci. T'as eu ton câlin, c'est bon ? On peut passer à autre chose ? Il y a quoi ? Alors, je vous ai mis un sondage en haut. Alors, enfants sauvages, aucune règle commune. Alors, le gouverneur, 5 enfants sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite d'une soi-disant baston. D'entre 2 gangs, en plus, même dans la neige, au glacial, ils arrivent à trouver des gangs, je vous le dis, moi. De jeunes gens, la plupart étaient armés de couteaux. Tant qu'à faire. L'affrontement a vite dégénéré en véritable bataille rangée. Tandis que les parents des disparus pleurent, de nombreuses voix s'élèvent contre le fait que ces enfants aient été laissés sans surveillance. C'est rien, j'ai cru entendre mon 1000 pattes passer. Eh oh ! Qu'est-ce qu'il y a, 1000 pattes ? Force est de reconnaître que nombreuses ruelles semblent être tombées entre les mains aux jeunes gens désœuvrés. Certains coins commencent à être dangereux, même pour des adultes. Ok, sympa. Donc je vous ai proposé un vote. 11 personnes ont voté. Il y en a qui ont mis des points. Régler le problème. Ok, on va régler le problème. C'est surtout que j'ai pas lancé le Twitch. Normalement... Il est lancé ou il est pas lancé ? Ah, il est peut-être lancé ! Ils ont peut-être réparé le bug qui fait qu'il se dissocie de Twitch à longueur de temps. Apparemment, oui, il est lancé. Donc, ceux qui veulent voter sur le jeu directement... Alors, c'est pour ceux qui sont sur le live sur PC. Ceux qui sont sur téléphone, vous avez le vote en sondage. Donc, je prendrai votre voix pour... ouais, apparemment, ouais, il est réglé. Il y a eu une mise à jour, donc et surtout ils ont réglé le problème, ouais. Donc, je prendrai la voix du vote sur le chat
pour je mettrai en fait votre voix, ça sera ma voix à moi. Et donc ceux qui peuvent voter sur PC, amusez-vous, votez et sacrifiez ma partie comme vous avez l'habitude de la faire. Je compte sur la voix de ma femme qui elle ne me sacrifiera pas tout. On vote comment sur le live? Alors normalement tu as eu un encadré jaune qui est apparu, qui t'a proposé excusez-moi pour ce mot anglais. Voilà, en gros, voter. Donc tu cliques une fois, ça te propose le vote. Tu cliques deux fois, ça t'annule le vote. Je suis pas anglaise. J'ai rien eu. Recherche ta page, parce que comme j'ai cliqué après, peut-être que... Recharge la page, peut-être que tu vas avoir le gros encadré jaune. Là, vous me voyez en flou derrière l'encadré, d'ailleurs, je fais des grands gestes, c'est génial. Wallander. Tu m'aides pas. Et après, une fois que tu as validé que tu voulais voter et participer... Attends, j'ai la pub. Purée, mais Twitch, vous avez remis une mise à jour, j'avais pas de pub, j'avais sauté toutes les pubs. Ah, ça fait 2 jours que Jérémy a des pubs. Oh, en même temps, c'est Jérémy. Peut-être pour ça qu'il y a les pubs. Non, c'est bon, elle est sortie. Non? Non quoi? Non, tu m'aides pas? Ça, j'avais bien compris. Jérémy. Oui, au-dessus, il y a un Jérémy. La bande de cire à Dead, c'est Jérémy, qui bientôt sera Jérémy le casse-dalle de Kata. Voilà. Je te bip. Et moi, je te zute, Jérémy. Voilà. Ça, c'est fait. Petite balle perdue pour Jérémy. Hop, ça, c'est fait. De toute façon, il m'a collé une balle perdue tout à l'heure. Je t'ai vu, hein, d'ailleurs, sur le live de Tipeee, hein. C'est pas parce que je suis en lurk chez Petit Piwi qu'il faut s'amuser à me mettre des balles perdues pendant tout le lurk. Hein. Monsieur. Et d'abord, si j'ai tout le temps froid, c'est parce que j'ai le cœur chaud. Et tac. L'excuse bidon. C'est pas grave. On m'en veut pas. Donc, pour ceux qui ont réussi à voter, peut-être un jour, Jérémy. Hein, ok. Donc, t'as foutu 900 points de chaîne. Remarque, tu vas me liquider tes points de chaîne, t'arrêteras de m'embêter comme ça. Reste sur les points de chaîne, toi. Donc, promettre de régler le problème à remporter. T'inquiète, j'ai de la réserve. Ouais, je sais, c'est bien pour ça que je te dis ça. Vas-y, continue à être sur les points de chaîne, ça m'arrange. Ça m'évite de souffrir. Non, donc c'est bon, vous m'avez dit que vous pouviez voter. À part Jérémy qui sait pas faire, tout le monde pouvait voter sur le live. Hein. Alors, oui, c'est bon. Ok, merci, chef. pouf, est-ce qu'on fait une... Oh non, qu'est-ce qu'ils ont encore? Oh, les Calimero, quoi, je te jure. Criminalité endémique. Allez, on y va. La criminalité ne fait qu'empirer. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Les pénuries poussent nos citoyens au pied du mur à commettre le pire. En assurant la disponibilité des biens, nous pouvons éviter la délinquance. Si certains passent quand même à l'acte, il reste les tours de garde et les prisons. Nous pouvons également revoir notre législation et renforcer la lutte contre la criminalité. Plus nous aurons d'habitants et plus ce sera difficile de maintenir l'ordre si la situation dégénérait. Nous aurions des blessés et des morts sur les bras. Et les radicaux rallieraient en masse les mécontents. Tâcheront d'éviter tout ça. Mauvaise présidente. J'essaie d'être au niveau de Macron. Pardon.
Celle-là, elle peut poser problème. On va agrandir ici. Pas plus de logements. Ici aussi. Glong, glong, glong. Là, j'ai fait trois logements. Il nous en faudrait 30. Il nous en faudrait 30. Il nous en faudrait 30, mais j'ai plus de préfa. Ici. Ici, 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 ici. J'ai plus des extracteurs. Non mais oh, t'as vu ma femme comment elle est méchante? Ça mériterait un ban, moi je dis. Hein. Ça va, hein, on est méchants sur cette chaîne, hein. Fais gaffe. Hein. On banne à tour de bras ici. Hein. Ah, il me faut 150 préfas, j'en ai que 20. On n'est pas dans la mouise, moi je vous le dis. Dans l'étendue, on en est où là? Cinq équipes d'éclaireurs. Allez, vas-y. Ah, c'est des étendiens. Aïe, 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 il fait une bêtise. Tu l'as banni. T'es allé, Jérémy, c'est pas de ma faute. Tu t'arranges avec ta streameuse de base. moteur secondaire du Dreadnought jeté par-dessus bord. Nous y avons trouvé le noyau, une pièce rare d'avant-givre impossible et de fabriquer qui permet d'alimenter la technologie de pointe. Oui, ben on va récupérer. J'adore voir les petits bonhommes se promener, regardez. Ouais, je peux pas mettre plus près. Oh, ils sont nuls. Regardez, ouais. Ouais, ils sont grands. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Cherchez pas, aujourd'hui, c'est compliqué. Ah! Ce complexe minier était occupé par des enfants. Faut pas le dire. Au fil des années, ils ont grandi et sont devenus des citoyens de la Nouvelle-Londres. Les derniers mineurs ont été rappelés par le capitaine en personne, mais il reste forcément du charbon dans les puits. Le sentier d'accès est difficilement praticable, mais nous avons trouvé un entrepôt rempli de préfabriqués. Le capitaine comptait les utiliser pour remettre en état. Nous pourrions les récupérer et les laisser sur place pour relancer la mine. Là, c'est un dilemme parce qu'on sait qu'après, on va partir sur une nouvelle source. Donc, pour l'instant, on est sur le charbon, mais on va partir sur le pétrole. Et sur coup, le charbon ne nous servira plus à rien. Je déteste Black. J'ai dû faire F5 et bim, la pub. T'as qu'à t'abonner. Non, je déconne. Fais-le pas, s'il te plaît. Conserver les préfabriqués. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je récupère le préfabriqué, ce qui va me permettre de fabriquer des trucs chez moi, mais je sais pas combien de préfabriqués. J'aimerais bien savoir d'ailleurs. 300. De toute façon, pour l'instant, je peux pas prendre la décision parce que j'ai plus d'éclaireurs, ils sont tous occupés. Pour une fois qu'ils bossent. Vas-y, abonne-toi. Non ! Non, ma femme, stop, on se calme. Vous savez que l'abonnement ici est superflux. Vous avez aucun avantage à être abonné, donc ne vous abonnez pas, s'il vous plaît. Merci. Peut-être quand même être en plus par là. Peut-être que vous... Ah ! Pardon.
Désolé. Je suis contente, je suis crouille. Voilà. Par contre, elle me pète les yeux. Gouverneur, nous avons des soucis de thermoclinés, sans déconner. Des membres des évolutionnistes nous proposent une solution. Je crains le pire avec eux. Il faut promulguer marchandises durables. C'est la meilleure solution pour la ville. Ils se méfient du conseil et d'autres communautés... Et les autres communautés soutenir leurs idées nous placerait indéniablement dans leur bonne grâce. Oui, ça nous placerait dans leur bonne grâce, mais pas dans la bonne grâce. Ni du conseil, ni des autres communautés. Ignorer le problème. Merci à la personne qui a voté ignorer le problème. Je kiffe cette personne. Je suis en admiration pour cette personne. Voilà, je le dis. Moi, je mets quand même un sondage ici, hein, même si je vous l'ai lu avant que... thermotiquet. Pas thermoclite. Pourquoi est-ce que je vous tape thermoclite, je te jure. Non, mais c'est n'importe quoi ce soir. Comme d'habitude, en même temps, le jour où ça sera normal sur mes lives, on en parlera. Ou alors, on n'en parlera pas parce que j'aurais tellement fui loin qu'on ne pourra pas en parler. Attends, il se passe quoi? Non? Non, non, cher ami. Non, 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 je la lirai pas, celle-là. Il se passe quoi, quoi, de quoi, ma femme? Explique-moi. Parle-moi. T'es en manque? Qui, moi? Ah non, que dalle. Non, que dalle. Non, merci. C'est bon, laissez-moi célibat tranquille, il va très bien. Non, Jérém. Ah oui, bon, lui, oui. Lui, c'est H24. Attendez, je fais les réseaux. Frost prank. Happy. Deux. N'oublie pas de préciser que c'est le 2 parce qu'autrement, ils vont croire que t'es sur le 1 alors que tu l'as déjà fait. N'oublie pas que tu t'appelles Twitch. Catafol, c'est mieux. Non, tu veux pas. Merci. C'est gentil, mon téléphone. Quand tu veux bien m'aider, ça m'aide. Je demandais, je vote quoi? Soit tu examines leur solution en sachant que eux, très honnêtement, les évolutionnistes, ce sont ceux que je veux éviter. Au maximum. Pour vous donner une idée, en fait, des évolutionnistes, là, des machins, là. Quand on va récupérer le fuel, ils vont carrément proposer que les prothèses qu'on va mettre aux gens pour les réparer après que le boulot leur ait démonté quelques membres. Déjà, je vous vends ça bien comme il faut. Ils demandent à ce qu'on les mette au fuel pour qu'ils aillent plus vite. Ouais, s'ils explosent en cours de route, on s'en fout, mais c'est pour qu'ils aillent plus vite. Rendement, tu vois. Ils proposent aussi, pour lutter contre le grand froid, qu'on s'accroche une pompe sur le corps qui va prendre ton sang, le faire bouillir et te le réinjecter. Comme ça, t'auras moins froid. Voilà. Voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez orienter vers les évolutionnistes. Moi, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie d'aller voir les évolutionnistes, mais comme vous êtes maître décisionneur de ma vie, de mon jeu, de... des 32 voix dans ma tête, je vous laisse libre champ à vos... à vos envies. Faut que j'arrête de parler, je crois. Je vais arrêter de parler. Faites ce que vous voulez, en fait. GG ma femme et GG Jérémy. GG Jérémy qui me fait flop. GG à photo pour faire la fallap.
Vous me dites... Ignorer... Ah, il y a du monde qui a voté ignorer, ça. J'apprécie cette personne. J'ai envie d'examiner la solution. Pas moi. Mais après, je me suis à votre choix. À vous de voir. Moi, ça m'arrangerait pas vraiment. J'ai pas envie d'être poussé vers installer une machine sur nous pour faire bouillir notre sang, tu vois. C'est vrai. Pas vraiment, vraiment. J'ai déjà une énorme prise de sang à faire mercredi, alors si après on pouvait éviter de me le réinjecter bouillant, ça m'arrangerait. C'est un risque à prendre. Je vais peut-être pas aller à ma prise de sang, moi. Hein. Puis ce n'est pas IRL. Oui, c'est vrai. J'espère. Moi, ma prise de sang, c'est IRL. Donc, j'espère qu'ils vont pas avoir cette idée-là d'ici là. Mais la dernière fois, ils t'en avaient voulu. Qui ça? Les personnes qui m'ont pris mes 7 fioles de sang? Ou eux, là? Eh ben, bingo pour examiner. Oh purée, vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer, hein? Avouez. Alors, j'ai peur de ce qui va se passer. Non, tu es les criminels pour les expériences. Ah, ça, par contre, ça pourrait être sympa. Ça, j'avoue que ça pourrait être sympa. Alors, sur coup, ils nous ont demandé marchandises durables. On recrute le conseil des spectateurs. Attention. Vous êtes poète? Alors, oh, 3 votants. Eh ben, purée, ça participe à gogo. Marchandises durables. Afin de tirer le meilleur parti de nos ressources limitées, est-ce que je crie ou pas? Parce que j'ai l'impression que je crie. Je suis volontaire. Quoi? T'es volontaire pour faire des expériences sur toi? Non, mais tu rigoles ou quoi, toi? Je te garde ici, toi. Un peu. Ok, je vais baisser le volume. Je le sentais moi-même que je criais. Afin de tirer les meilleures parties de nos ressources limitées, nous nous efforcerons de produire des marchandises résistantes et faciles à réparer. J'ai même essayé de vous la faire en ASMR ou un truc comme ça, non? Ça peut être fun, hein? Non, je rigole. Je sais pas faire. Bon. Encore un pool. Je suis sûr. Je passe ma vie à faire des pools sur ce jeu. Hop, marchandise. Hop. Oui. Non. Voilà. C'est bon, c'est lancé. Pas besoin de tous voter. Non, vous n'avez pas voté encore. Là, vous votez. D'ailleurs, j'ai fait trop tôt parce que c'était 5 minutes pour marchandise et sur coup... Sur coup, le vote du jeu sera fini avant le vote. Oh, j'ai pas eu le temps. Ah, bah, personne n'avait voté sur le chat. Ok. Attention. Ouh, c'est passé de justesse, hein. 54 voix pour, et il en fallait 51. C'était chaud, chaud, chaud. Évolutionniste, exigence remplie, les évolutionnistes se sont heureux que vous ayez tenu parole. Je l'ai remballé. Comme vous avez fait preuve de votre intégrité, il voit désormais votre autorité sous un meilleur jour.
pas si c'est ce que je voulais. Je sais vraiment pas si c'est ce que je voulais. Dévoué, ça va. L'autre. Neutre, ok. Celle-là. Neutre. Ça va, ça a pas trop joué sur les autres factions, j'avais peur. J'en avais peur. La production ralentira si nous fabriquons... J'ai pas eu le temps de voir. Trouver une source de combustible permanente. Ouais, ça, je sais, c'est hors de la ville, je sais. D'ailleurs, on va pouvoir faire... On va pouvoir faire ça. On va conserver pour relier le sentier. Le sentier, il va passer là, là. Voilà. Hop. Ok. Par contre, où c'est que... Faut aller par là. On nécessite 10 éclaireurs. Bah, ils sont occupés. On passera plus tard. alors... 56. Oh purée, on a des nouveaux habitants. Alors ouais, on a des nouveaux habitants, mais moi, il me faut à tout prix un extracteur pour pouvoir faire ici, pour pouvoir avoir du préfat. Parce que le préfat, je galère. Zuta. On a gagné combien? Revenu, 0 par semaine. On est bon. Happy Halloween. Merci pour le Happy Halloween. C'est pour faire concurrence à ma citrouille? À vous. T'as vu ma citrouille, il essaie de faire concurrence. Là, le problème, c'est que j'ai plus du tout de préfa. On est dans la mouise. Happy birthday! C'est pas maintenant mon anniversaire, tous ceux qui m'envoient des gâteaux, hein. Vous êtes trop tôt, hein. Vous le savez pourtant, c'est trop tôt. Dans quelques jours, mais pas maintenant. Par contre, là, je suis en galère parce que j'ai plus du tout de préfa. Ça va pas le faire. Oh, faire comment? Faut que je démonte un truc, mais ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, dada. 120 préfa. Si je te démonte, est-ce que j'ai de quoi fabriquer? Non, il m'en faut 150, j'en ai que 10. Ça va? Tu te calmes? C'est normal qu'on ait pas le son? Bah oui, parce que vous l'avez pas dit. C'est... Honnêtement, vous avez pourtant l'habitude. Voilà, maintenant vous avez le son. Merci ma femme de le signaler. Quartier non utilisé. Gouverneur, la santé de nos concitoyens étant à un niveau acceptable, de plus en plus de citoyens se demandent pourquoi nous conservons les logements vides dans l'éventualité d'une quarantaine. Cela n'a aucun sens. On entretient cet endroit juste au cas où, alors qu'on pourrait utiliser, les maintenir et les améliorer en condition de vie de tout le monde. Se plaint un employé anonyme de la ville. La coalition mixte des représentants est d'accord avec les plaintes et rédige une nouvelle loi qui réglementerait complètement la question de la contagion. Oui, quoi? La fille qui va poser 125 fois la question.
Eh, ils veulent tous le revêtement d'amiante, hein. Purée. C'est des grands malades. Répartiteur thermique, construire des districts alimentaires, extraction, usine. Computationnel. Oula, purée, rien que le mouille, mais. Non, mais on va faire pour eux deux, mais ça m'arrange pas, hein. C'est... Là, c'est eux deux là que je sollicite et que c'est pas eux que je veux. Oui, on a le son. Merci, ma femme. Par contre, préfa, ça m'arrange pas. Hein. Il fait quoi celui-là? Ah, j'ai pas beaucoup de. Ah, il est compliqué! J'ai du stock, je vais faire plutôt celui-là. Ça m'en fait que 120 par contre. Hein. Sheila m'en fait que 120. Ouais, il y avait celle-là où il disait qu'il voulait pas. On va faire ça. On va voir pour celle-là. Donc, prévention de la contagion. Pas de prévention de contagion. Bientôt. Il faut voter. Ils incombent à l'individu de veiller de ne pas s'infecter lui-même ni d'autres personnes. Ok. Donc là, en gros, pour l'instant, on était sous le protocole de... On a réquisitionné des logements et que si jamais il y a contagion, il y a épidémie, les personnes qui sont malades, on les envoyait dans ces logements. Sauf qu'on a une pénurie de logimang. Et donc, sur coup, quelqu'un nous a suggéré l'idée de retirer les logements réservés pour la contagion pour les récupérer et les remettre à tout le monde de façon à ce qu'on n'ait plus de pénurie de logements. Par contre, en cas de contagion, voilà quoi. Donc, à vous de voir, vous êtes prêts? On est go. J'ai pas proposé sur le live parce que tout à l'heure, personne n'a voté. Est-ce que quelqu'un mettait oui ou non sur le live et je prendrai les voix. Coucou mon Orca. Ça va, Orca? J'ai mis oui, ok. T'as mis oui, mais t'as mis non. T'as mis oui, mais t'as mis non. The votes are in, the measure fails. Bien sûr que ça va. C'est pas... C'est une question très chère. C'est... Loi rejetée. Paf, ça c'est fait. Au suivant.
Nani ? Vous avez pas fini de me brailler dans les oreilles, les gars, là ? Juste au cas où. Étant sans pression depuis que je suis célib, ah ça c'est clair. Désolé, mais tu peux avoir des gens affectés avec le froid. Ouais, c'est vrai. Donc non, on ne demande pas à la populace de faire attention. Félicitations. J'ose. Merci. Ouais bah tu peux oser, hein, il est content d'être célibataire. Comment tu peux être... Non, justement, c'est l'inverse. Il n'est plus sous pression depuis qu'il est célibataire. C'est pour ça qu'il est cotonne depuis qu'il est célibataire. Non, mais c'est Jérémy, quoi. Faut lui expliquer l'anta. Il n'est pas méchant, hein, mais faut lui expliquer l'anta. J'arrive pas à voir ce que ça produit ce truc. Ah, du bois. C'est mon cousin, c'est normal. Bip MDR, je te bip et zut. Eh ben, en une phrase, t'arrives à faire tout ça, mon petit. Tu grandis. Tu me gardes, toi. Bon, j'essaie de récupérer du... Pour pouvoir faire ici, pour pouvoir améliorer le, pour que ça aboutisse mieux. Je suis fier de ma bêtise. Je vous ai noyé sous des explications à bracadabranque qui n'expliquent rien du tout. Avouez que vous avez adoré. AB Chambers, 90 ans, ancien ouvrier naval. A hâte de rejoindre sa femme dans l'au-delà. 90 étés ou hiver, pour être exact. J'ai une bonne vie, une vie en tout cas. Ça n'a pas été le cas pour la plupart de mes camarades de Kentunik. C'est un mot anglais, débrouillez-vous avec. J'ai toujours pensé partager ma tombe avec ma Lydie. Mais Pete... insiste pour que je donne mon corps à la ville. Apparemment, les médecins peuvent l'utiliser pour soigner les engelures. Je suis si fatiguée. J'en ai déjà fait assez. L'absence de législation sur la réglementation sur les enterrements est une source de tension dans la ville. Ok. On va gérer les enterrements tous dans la cheminée. Pardon. J'étais intimidée hier. Oui, mais c'était trop mignon. Pardon. Oh, c'est d'un grand n'importe quoi. Je m'excuse toutes les deux secondes aujourd'hui. Hein. Moi, je faultille. Hein. Non, mais c'était trop chouette que tu sois venue, que tu téléphonais et tout. C'était trop bien. Hein. Tu crois que je suis pas intimidée, moi? C'est pas du tout mon créneau. Hein. Moi, je suis à l'aise quand c'est ma petite commu, mon petit univers, toi, mon petit coco. Mais là... Promesse non tenue, vous n'avez pas réussi à réguler la loi, enfant, attends. Ah oui, zut, je l'ai zappé, celle-là. En produit plaire. Pas moi, je ne partagerai pas ma tombe avec elle. Elle prendra trop de place. En même temps, tu l'as dégagé avant la tombe, donc c'est bon.
T'en as plus besoin. Alors, là c'est bon, j'ai 250, on va pouvoir faire le truc d'extraction. Ouais, bah ouais, et toi, tu peux pas, t'as pas moyen de le récupérer, non? Je sais pas, hein, c'était une idée qui m'avait... je sais pas envoyé en message, mais c'était une idée qui m'avait traversé la tête. Parce que je sais que t'aimes bien le chien, donc si t'avais moyen, tu vois, de... Demain, tu auras une surprise sur Didi pour dans la journée. La fameuse bêtise... que vous mijotez avec un certain... C'est ça? Il faut que je sache où. Peut-être. Ouais, peut-être, ouais, tu parles. Ah, même pas discret, les mecs. Donc là, on va commencer à gagner du préfa, ce qui va déjà nous aider parce que... Mais t'es un peu court niveau préfa. Bon, c'est mi-court sur tout le reste, mais au moins, on aura du préfa. Voilà. Voilà. Par contre, ici, on a du truc illimité. On va le récupérer. J'ai un tube de confetti dans toutes ces affaires. Quand toutes ces affaires seront parties. Tu veux mettre des confettis partout? Répare tes tartes, mec! Les Evolvers remindent everyone not to aid initiates wandering the Frostland. They must find their own. Je veux la vidéo. Ouais, moi aussi. Alors, un enterrement tumultueux, aucune règle commune. Gouverneur, un épisode regrettable s'est produit lors d'une veillée. Certains membres de la famille du défunt souhaitaient un enterrement traditionnel, tandis que d'autres ont qualifié cela de gaspillage et affirment que le corps devrait être donné à la ville afin d'améliorer son système de soins. Après quelques insultes, ils sont finalement venus aux mains. C'était très calme comme négociation, je vous le dis. Alors, qu'après qu'ils ont réussi, que le corps n'était plus là. Et chaque camp accuse l'autre de cette disparition. Malheureusement, ce n'est pas un accident isolé. Peut-être devrions-nous établir une règle commune, promettre de régler le problème ou ignorer le problème. Est-ce qu'il y a du monde qui est sur Twitch, qui est sur téléphone et qui ne peut pas voter sur le jeu directement? Que je sache si je lance un poupoule et qui veut voter aussi. À croire que je vous force maintenant, je vous jure. C'est quelqu'un qui l'a pris pour faire un barbecue. Mais je te le dis, moi, de toute façon, ils vont servir à un moment donné pour aller dans le four. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Du combustible. Même pas tes modos qui font les poules. Non, c'est moi. Et alors? Orca, tu veux voter quelque chose ou pas? Tu reveux un Théo, toi? Fais gaffe à la gâchette facile, hein.
Et donc ah, t'es... bah oui, t'es sur PC maintenant, c'est vrai. Depuis que t'as grugé un PC. Pam, pam, pam. Établir des règles pour l'enterrement. Non, tel, lol. Ah oui, bah oui, t'as fait avec le... Ok. J'avais pas vu que quelqu'un avait fait un... Merci pour la personne qui a fait le sondage. Donc, il y en a deux pour... Plus, c'est la voix qui est déjà entamée, donc... C'est parti pour les pour. C'est moi. Je suis toute fière. C'est moi qui l'ai fait. J'essaie de trouver une place pour ma sucroucrouille, parce que des fois, elle disparaît de la cam. C'est mis, tu es un ange. Oh, il essaie de gratter, là, hein. Tu fais un bingo. Tu essaies de le soudoyer. Non, du tout, c'est ta femme, je le ferai pas. C'est armé ? Ça s'armé ? Il y a un vote ? À gratter, oui. Respecter les morts, ok. Alors, respecter les morts, ça nous donneront, nous n'exploiterons pas le gisement de pétrole accessible. Et déplacer les corps, de nouveaux gisements de pétrole seront disponibles. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Il y a peur de la réponse. Bon, on suit le vote. Ah, non, on m'a fait un pool. J'attends le pool. Papouche, viens voir, il y a un problème. Fais vite. Blanche, je crois qu'elle s'est fait un maquillage. Je crois qu'elle a raté son maquillage. Ah, vous êtes à 50-50 sur le vote du public. Va falloir vous départager, les gars. Bah, on fout la mouise. Ah bah ça... Ah bah les corps, il faut le pognon pour entretenir la Dacia. Foutez la paix, ma Dacia. Pourquoi ça vous dérange tant que ça que j'ai une Dacia? Allez-y, expliquez-moi. Je veux savoir. Je peux venir en vocal? Oh bah écoute, ma femme. Pourquoi pas? Attends. Est-ce que tu veux que les autres t'entendent sur le vocal ou pas? Et Halloween arrive, il nous faut des décors. Assure. Oui, je veux. Ok. Faites gaffe, les gars, vous allez vous faire gronder, moi je vous le dis. Hein. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, je suis fatiguée comme pas possible, mais ça va.
Je crois qu'on est tous dans le même bateau. Moi, j'ai pas eu un week-end reposant en soi. Ouais, moi non plus, t'inquiète. Ça va bonne. Est-ce que t'as dû te lever à un moment donné à 5h du mat? Ah, il était pratiquement 6h. Je me suis levée à 5h30 ou 45, je crois. Et je devais partir à 6h. Voilà, bref. Non, c'est juste, est-ce que tu peux me stream le jeu que j'arrive un peu plus à lire? Comme ça, en fait, je vais promulguer et faire et partager... À cause de monsieur Jérémy qui demande à ce que les poules soient faites par les modos. Alors après, par contre, je sais pas si ça va bien passer. Hein. On fera ce qu'on peut. Je vous rappelle quand même que j'ai qu'un seul PC pour tout faire. Donc, ils ont mis respecter les morts. Le pétrole peut sauver la ville, mais il nous faudra adapter notre générateur afin qu'il puisse l'utiliser. Et en attendant, nous devons trouver une source d'approvisionnement fiable. Il est temps de s'établir hors des frontières de la nouvelle Londres. Fonder une colonie au Drindrung. Abandonner et créer une... ouais, merci. Et créer une piste pour les relier à notre ville afin de permettre le transport de ressources. C'est chiant ça à faire ou pas? C'est que ça consomme et que il me semble que celui-là consomme dur. Quoique. Attends. Si je te fais passer là. Là, ça pourrait être bon. Ouais, bah tant qu'ils font ça, par contre, j'ai plus de. C'est lequel de Jérémy? Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous en avons deux. Mister Jérémy qui adore changer les pseudos, ouais. D'où? Ah, faire la loi sur le funérail. Oh, tension augmentée. Ouais. Ah, mais on va pas avoir le choix, hein. Les pratiques funéraires sont une source de discorde. Les gens se disputent souvent sur le sort de leurs proches disparus. Un baril de TNT enterré et on jouera aux osselets dans la ville. Oh purée. toi, Fasheman, t'es pas pour la paix. Hein. sur coup, j'ai agrandi ma cam. Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que vous voulez que je la diminue? Non, c'est très bien. Oh zut. Est-ce que j'avais espoir que quelqu'un me dise « Oui, diminue !» Oui. qu'est-ce qu'on fait? Alors celui-là, il est soutenu par garde-foi et l'autre, il est soutenu par... Les évolutionnistes. Les évolutionnistes. Ouais, mais problématique. Mais hors cas, tu vois. Ça, c'est hors cas. Et ça, c'est toi. Tu vois. Les gentils, ceux qui veulent tout faire péter. C'est mieux pour capturer des images, MDR. Toi, tu verras un jour que tu liveras. On va pas te louper, gars. Ah, c'est clair. Là, parce que je peux les rediminuer. Hein. Il y a aucun souci pour ça. Hein. Bah, moi, j'ai quand même envie de... Attends. Perte de confiance due au décès diminué. Ouais, donc en fait, la perte de confiance que j'ai à chaque fois qu'il y a un décès, elle sera diminuée par rapport à là actuellement. Ça veut dire qu'ils vont avoir de moins en moins confiance en toi si, pour leur décès, pour les décès des proches. Non, à chaque fois que quelqu'un va décéder, en fait, là, je perds beaucoup de confiance à chaque fois que quelqu'un décède. Et là, je vais en perdre un peu moins à chaque fois que quelqu'un va décéder. Tu vois? Donc, ça peut un peu stabiliser l'incitoration, hein. Ah ben là, tu as le temps parce que jamais de ma vie je liverai, c'est pas mon trip. Mytho. C'est juste que t'as peur. Bah quand même, c'est quand même mieux, t'as moins de maladies, la maladie est légèrement diminuée. Personnellement, en plus de ça, si la maladie est légèrement diminuée, ça veut dire qu'on aurait pu utiliser les autres bâtiments pour garder
garder les gens là. Ça on l'a déjà fait, ça on a récupéré les bâtiments je crois. Ah non, parce oui, mais que nous, la... on a rien fait au final. Ouais, parce que la... le vote n'était pas passé. Ouais, le vote n'était pas passé parce que du coup c'était... Oui alors, ok, on fait ça. Par contre, vous vous surveillez de ne pas être malade, hein. Vous devez absolument pas être malade et contaminer les autres. Ah bah après, c'est les votes qui ont décidé, hein. Ils ont eu les pétoches, hein. C'est pas de leur faute, hein. On est trop nombreux. Vive la purge. Tu es le premier, du coup? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On fait le premier ou le deuxième? Vous mettez un ou deux? Non, je le paye. On va faire un sondage plus rapide. Mettez un ou deux sur le chat. Un. Je m'en doutais. Je te parie qu'Orca, c'est le 1 aussi. Attends, il est occupé à écrire sa bêtise, il peut pas tout faire. C'est quoi, c'est quoi 2? Ben, la priorité du vote, en fait. Regarde, cérémonie de prélèvement, c'est le 1. Et cérémonie funèbre, c'est le 2. La cérémonie de prélèvement, en fin de compte, on va servir des organes sains des défunts pour faire des recherches et soigner des gens. Le 2, on ne touchera pas au corps, mais par contre, on fera une cérémonie funéraire et on les enterrera dignement. Tu vois? Ouais, mais les autres, quand même, le corps seront ensuite incinérés et les cendres remis à leurs proches. C'est comme si on faisait une crémation. Oui, après les savoir disséquer. Ils auront quand même les... Ouais, c'est vrai que dans les cendres, on sait pas trop ce qu'il y a, donc qu'ils soient disséqués ou pas, on ne va pas compter le nombre d'organes. Ça va, on n'est pas non plus à une certaine époque, hein. Là c'est bon, c'est sûr. Faut pas abuser, il n'y a pas un manque de confiance non plus. Hein. Pour l'instant, non, ça va. Attends, Orca réfléchit. Apparemment, ça lui fait mal à la tête. C'est quoi, 1 et 2? Qu'est-ce qu'on va... En gros, enfin, non, même si elle l'a déjà dit, en fait, c'est là, quelle loi là, on va proposer? Barbecue ou apéro? Ou apéro. C'est façon de voir les choses. Après, est-ce qu'on est réellement obligé de récupérer les cendres? Parce que moi, autrement, je les balance dans le four. Mais non, oh! Mais quoi? Ça fait du combustible! Autant que ça serve à 100%! Ça fait pas du tout du combustible, les cendres, t'es folle! Non, les bonhommes! Une fois qu'on a récupéré ce qu'on a récupéré. Mais non, ça demande encore plus de... Ça demande encore plus de combustible! Mais non, t'as un four géant! Qui sert à réchauffer toute la ville! Yaman Général? C'est ça, Kata? Yaman Friend? Yaman Général? Non. Dit-elle. Oui, on va utiliser comme ça, ça va réchauffer la ville! Mais ils sont déjà morts, eux, c'est bon! Elle est pour le barbecue finalement! Purée, je te promets, c'est n'importe quoi. Orca, oui ou non? Tu les mets dans un EHPAD et que les gens puissent. Pour que les gens puissent descendre. Alors là, du coup. Les marches d'escalier. Oh Les corps pour la science. Elle utilisera moins de. Les morts pour la science. T'as tout compris. Qui a tout compris? Jérémy. Ouais, t'as mis un, mais là, sur ce vote-là, tu mettras oui ou tu mettras non? Bon, t'embête pas à faire un pool, on va faire comme ça. Bon, vas-y. Parce que de toute façon, il n'y a que Orca qui est sur téléphone qui veut voter. Ah bon, bah vas-y, t'as fait. Mort pour la science, pour ou contre? J'adore comment elle est cash. Pragmatique. Vas-y, t'as un vote au-dessus. Vas-y. Je peux utiliser des points de vote, mais après, je peux les retirer hein, pour les prochaines fois. Non, mais laisse-les. Bah, tout est dit, hein. Les morts pour la science, pour ou contre. Ça permet, tu vois, qu'ils utilisent leurs points de chaîne et qu'ils évitent de me saboter sur certains jeux, tu vois. T'as raison, hein. C'est vrai qu'ils n'entendent pas du tout. C'est pour ça. Si on peut en éliminer, tu vois.
faut être stratégique avec cette équipe, hein, je te le dis. Hein. Allez, donc ça serait pour. Ok, il votera pour. T'inquiète, ça monte les points. Ouais, mais non, mais tu peux les utiliser pour accentuer ton vote, pour être sûr qu'on prenne bien ta voix. Bon, il a dit oui. Oh. Sans mettre deux points en plus. Pff, tricheur. On a tous mes oui. Alors, attention, attention. Ouh. Ah. C'est bon, c'est passé. Ah ouais. C'est passé à peu, hein. 54 pour, il en fallait 51. Comme d'hab. Ouais. Sur le chat, c'est moins cher que gratuit. Et Orca, dis-moi, j'ai une question à te poser. Mais t'as quand même la confiance qui augmente, hein. Bah ouais, c'est normal. Parce que je me suis rallié à une certaine partie de la population, donc c'est normal. Orca, t'as des pubs, toi? En étant VIP, il doit en avoir quand même, hein. Bah oui, parce que Jérémy aussi est en VIP. Mais Orca, il se plaint jamais des pubs, mais Jérémy tout le temps. C'est pour ça que je demande. Savoir si c'est un traitement de faveur pour Jérémy ou pas. attends, pour la recherche. Attends, bug. Ouais, bah ici aussi, t'inquiète. Et je sais pourquoi. C'est parce désolé, que tu partages TikTok. L'écran avec moi. Désolé TikTok, je vous abandonne. Ah, c'est pas parce que tu partages l'écran avec moi. Non, 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 TikTok me demande énormément sur mon processeur. Pour ça, de temps en temps, j'essaie de live TikTok, mais sur certains jeux, ça passe moyen. Hop. Là, ça devrait se soulager. Oui, là, j'ai vu la photo que tu as mis. Voilà. C'est très rare. De quoi que c'est très rare que je live d'avoir TikTok les pubs. Ah, c'est très rare que t'aies les pubs. Ouais, donc Jérémy, c'est un traitement de faveur. Bon, c'est très bien. Gouverneur, nous sommes tombés à court de ressources de nourriture. Bah, fallait bouffer les corps. Oh, pardon. Bah non, les incinère. Après avoir prélevé leurs organes. Bah, tu manges le reste. Ça tombait à court de ressources de nourriture. Que le capitaine avait accumulé. Après toutes ces années, nos ressources ont finalement disparu. La production actuelle va couvrir une partie de la demande. Mais les problèmes seront bientôt revenus. Survenir. Je vais y arriver. Il nous faut une nouvelle source. Sinon, toute la famille. C'est toute la ville qui va en souffrir. Ouais, voilà, merci. Je sais pas, j'ai bugué. Non, mais si tu veux, je te fais la lecture à ta place. Non, non, ça va aller. C'est juste que j'ai bugué. J'ai bugué. Pourquoi tu veux pas que je fasse la lecture? Non, tu peux faire la lecture si tu veux. Ah, merci. Je laisse. Ah ah. Ah oui, je suis dans ma folie. Ah oui, je suis dans ma folie. Jérémy, j'ai dit quoi? Ne vous abonnez pas, ça sert à rien. Vous avez exactement les mêmes avantages que quand vous vous abonnez pas, donc ça sert à rien de s'abonner. Écoute jamais celui-là, je te jure. Bon, hormis que toi, t'as une option pub. Attends, parce que j'essaie de savoir précisément. Elle est là. C'est cette zone-là. Ok. Non, mais tu veux pas en fait. Ah, oh, tu mets les brises. Pourquoi tu veux pas? Merci quand même pour ton abonnement. En train de dire, il peut prendre mes pubs, mais je lui offre entre cousins. Et j'ai un ami qui fait chut. Oui, chut, c'est parce que j'ai râlé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu l'autre musique. Laquelle? C'est une quata. Elle est folle. Non, sur les raids, on l'a souvent. Hein. Après, vous pouvez la mettre. Hein. Quand on lui fait des raids, tout ça. Maintenant, elle joue avec sa zou. Souvent, ça part en fond. Douille. Je précise.
Hein? Non. Je sais pas, parce que t'as coupé le passage et ça aurait pu me faire penser à autre chose. Mais j'ai préféré. Bah, c'est pas le mot avec un C? Non, c'est douille. D'accord. Dans sa folie. Alors, la musique. Déprime, c'est le rire qui prime. Alors, si t'as pas d'amis, pas besoin d'un curly. Mais bien, dans sa folie. Merci, ma femme. Allez, déjà, on va avoir amélioré un peu le district alimentaire. On va avoir rajouté un peu de temps. C'est juste que je me plantais de district, en fait. C'est pour ça que ça marchait pas. Tu t'es planté du district? Oui, parce que je mettais un extracteur au lieu de mettre un district alimentaire. Toutou! Attention, criminalité! Oh purée, je sens que ça va mal tourner, cette affaire. Je ah bon, ça les ralentit. Ça les ralentit pas, ou de... Attends. Ben c'est quoi? C'est juste... Criminalité, construire les un pôle de surveillance, trouver un autre moyen, ignorer le problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça demande un vote, là, tout c'est d'un ce coup que, c'est ce que je vais te lire. Criminalité. Ah, ok. Les évolutions... Je vais lire. Oui. Tu peux pas lire, tu vois Gouverneur, pas. Gouverneur, nous avons des soucis de criminalité. Ah, c'est bon, les membres des évolutionnistes nous proposent une solution. Il faut lancer des recherches sur tour de surveillance. C'est la meilleure solution pour la ville. Ils se méfient des conseils des autres communautés. Soutenir leurs idées nous placerait indéniablement dans leur bonne grâce. Il y a beaucoup de criminalité, donc il faut des tours de surveillance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on trouve un moyen, un autre moyen? On examine la solution? Ou alors on ignore le problème du genre démerdez-vous, c'est pas notre problème. Tous les criminels au four! Pardon. Ah voilà, c'est pour ça que tu mets, c'est pour ça que c'est bien en même temps d'avoir fait les organes. Comme ça, les criminels, on les prélève les organes et c'est bon. Ah ouais. La science. Ah ouais. Ouais, je serais directement envoyé au four. Comme ça, ça réduira le taux de criminalité. Ouais, mais au four, ça fait du combustible. Non, François, ça fait pas du combustible étant donné que déjà quand tu brûles quelque chose. Justement, ça demande du combustible pour faire brûler. Ouais, mais le four il est déjà allumé, donc tu jettes les corps, ça fait du combustible en plus. Oh, tu dois le faire cramer comme du bois, quoi. C'est ça ? Point numéro 2, ils veulent construire directement un pôle de surveillance. Ah ça coûte cher les prisons. Bonsoir, le peuple a faim, le peuple a froid, mangeons les criminels. Merci Valiance. Ça va mon Valiance? Vas-y, je vais construire un pôle de surveillance aussi. Bah. Tu veux autre chose? Tu veux qu'on trouve un autre moyen? La nation a parlé. C'est vrai que ça va demander beaucoup d'argent et de ressources. Ouais. Non, pôle de surveillance, ça va pas être là, ça va être dans les lois. Ah non, c'est là. Mince. Pôle de surveillance. Coucou, ça va et vous? Bah écoute, tu vois, on est en train de tuer les gens. À part ça, ça va bien. On est juste en train de tuer les gens. Ah, ils sont tous d'accord? Bon, bah, écoutez, alors si vous êtes tous d'accord. Tu vois, t'as le pourcentage, tu vois. Là, les néos, tu vois, t'as 30% de la ville qui suivent les néos. Ouais. T'as les évolutionnistes neutres, t'as 5% de la ville. T'as les étendiens, c'est 43% de la ville. Et les garde-fois, c'est 17% de la ville. Ils sont neutres, hein, ils sont... C'est-à-dire que peu importe que tu... Bah, pour l'instant, on est neutre, voilà. Mais t'as 17% de la ville qui les suit. Donc, si tu fais des lois qui vont dans leur sens, t'as 17% de la population qui vont être contents, tu vois. Ah. Pour ça qu'il faut faire gaffe à ne pas se fâcher avec trop de monde. Mais en même temps, les étendiens, ils sont un peu extrémistes. Et puis, les néo-londoniens, ils sont un peu pétomanes. Mmh. Tu vois. Et ils sont copains les deux en même temps, tant qu'à faire. Oh pardon, j'ai vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil. Moi. Mais t'inquiète pas ma femme.
J'ai pourtant fait une sieste, mais il faudrait que je fasse ma nuit complète. Quoi. Et les cendres en guise de d'engrais. Mais totalement, totalement. Et ça fait de la bouffe. Et tout va bien. Je te jure, un jour, avec ce jeu, je vais me faire saboter ma chaîne. Un jour, je te le dis, moi. Yeah, man général. Pôle de 1, pôle de réserve de nourriture, pôle de réserve de nourriture, d'accord. Pôle de réserve de combustible. C'est une ville écologique. On utilise les corps en guise d'énergie renouvelable. Exactement. Et pour la science. Et pour la science. Et tout le monde est allé être heureux. Je sais pas où ça se met ça. En gros, c'est le match France-Allemagne. En gros, c'est le match France-Allemagne mort de rire. Hein? C'est l'histoire de la vie. C'est ça, c'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. D'un enfant béni. Bon, là, je sais pas si vraiment on est béni, là. Ah bon, je crois que c'était d'un flot infini, je sais pas pourquoi. Non, c'est d'un enfant béni. Éternel d'un enfant béni. Ah ouais. C'est pour ça qu'il soulève l'enfant au-dessus de, du peuple. Parce que c'est un enfant béni. Un enfant béni. Ah bon ? Rend immortel. Et après, c'est la ronde infinie. Ok, ok, maman. Voilà. Excusez-moi, madame. J'adore cette chanson. Ah! Je pensais que c'était juste parce que tu étais une maman et que t'avais regardé du coup Disney. Ça freeze sur ton live. Hein. Ouais, mais ça freeze moi aussi. C'est même pas le live, c'est que moi aussi je freeze à blablabloc là. C'est même plus du freeze d'ailleurs. Le jeu il a. Bon, dit... bah je pense que ça devrait être une fin de live. Je suis sente. Non, mais je te jure, le jeu j'ai l'impression qu'il est chronométré, tu sais. À chaque fois que quand j'arrive sur la fin du live, il dit ah, ça c'est long là. C'est bon, t'as économisé ton quota. On a dit que c'était tant de temps, t'essayes pas de gratter. Là, c'est du genre, bon, ok, vas-y, on te laisse en notre dernière réserve, mais bon, on te garantit. Ah non, là, c'est vraiment, c'est même pas on te laisse, là, parce que je te garantis que je suis en train de ramer rien que pour essayer de diriger le cruc. Je vois ça. Non, mais clique pas, mon pote! Non, quoi? Tu veux pas? Ah, ça y est, tu veux. Ouais, tu m'as fait ça dans le désordre, mon pote. J'ai réussi à en mettre un! Tu peux en mettre deux! Allez! Tu peux la faire! Oui, on en a mis trois! Oui! Alléluia, mes frères! Allez, le 4! Allez, 4! Allez, allez, tu peux le faire! Allez, on croit en toi, tu peux faire le 4! Oui, 4! Allez, 5! Et là, le jeu s'arrête, tu sais. Non, tu les auras pas! Allez! J'avais envie de faire une blague, mais. Dommage. Je vais pas la faire. Dommage. Pourquoi? Que tu fasses pas la blague. Voilà, depuis tout à l'heure, je fais que dire allez. Alors, j'avais envie de dire allez, l'OM, mais là, s'il y a des Parisiens, on est dans la mouise. En tout cas, je me sens pas concernée. En tout cas, tu moi non plus, que tu... parce que je suis pas le foot, mais bon, apparemment, ça a l'air d'être une grande bataille entre deux. Alors bon. Oh, ça, c'est sûr. Alors, déjà, c'est une bataille entre l'OL et l'OM aussi. Hein. Oui, aussi. Tu vois, Kata, toute cette exposition de lumière et notre four. Il faut apprendre à respecter l'équilibre du four pour que le corps redevienne poussière et qu'on puisse re-inviter mamie à table. Amen, mon frère. Merci, Orca, pour cette magnifique philosophie de vie. T'étais vachement plus calme hier soir. Allez, hop, ça c'est fait. C'était encore le choc, là c'est bon, la pression est encore plus retombée. Ah non, mais hier soir il a téléphoné sur le live radio pour jouer à un jeu. Oh, et il était d'accord. Tout bien. Pour un jeu, c'est ça? Ouais. D'accord. Coucou Cindy.
Ça va, ma Cindy? Tu veux proposer une loi? Attends, je veux d'abord faire un saut à Cindy. Hop là! C'est fait! Bah, je sais pas, ouais, j'avais envie. Mais est-ce que réellement c'est sage et prudent et. Non, c'est pas prudent. Pour le moment, t'as pas besoin, sauf si tu veux. On pourrait peut-être partir sur les additifs alimentaires quand même. Hein. Parce qu'en bouffe, on n'est pas. Normal. Ah, c'est dans marchandises alors? Regarde, en bouffe, on n'est pas. Ok. Bah, il faut aller dans bouffe, non? Enfin, dans ressources, pardon, je veux dire. Ouais, dans ressources, ouais. Mais. Ouais, si, on est en train de remonter en bouffe là. J'ai remis des trucs, on est en train de remonter. C'est normal que l'image freeze aussi. Oui, moi. C'est le jeu. Il a décidé que ça, c'était l'heure de la fin, que je ne ferai pas de supplément. T'inquiète. Faut s'y faire. Le jeu, comme ça, il dit non, on a dit tant de temps, pas plus. Le truc, c'est que ça freeze tellement qu'on voit même pas le SO de Cindy. Ouais, ça va venir. Ça va bien des. J'étais à. Ça va venir, hein. Vous en faites pas, ça va venir. Pourtant, j'ai rien d'allumé. Hein. C'était quoi? 86 victimes d'agression? J'ai pas vu. En bas à droite, il y a marqué 86 victimes d'agression. Ah oui, je viens de voir. Non, j'ai rien d'allumé. Du coup, tu peux les voir, c'est ce qui s'est passé avec la tour de surveillance? Bah pour l'instant, on l'a pas encore la tour de surveillance, on est encore en recherche. Elle est pas installée. Ah. 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 Tu vois, heureusement qu'il va y avoir une tour de surveillance, hein. Oui. Oui. Je sais pas si c'est une très très bonne idée, hein, mais oui, il va y avoir une tour de surveillance. C'est une cata, elle est folle. Tu en as l'habitude. C'est cata folle. Et tu vois des souvent ça part en douille ici, pas de. Typo quiz. Oh. Pourquoi d'un seul coup, Orca, tu nous balances un typo quiz? On apprend tous les jours avec typo quiz. Non, c'est typo quiz, je crois, mais. Tu veux faire un typo quiz? Je sais pas. Non, je parlais à Orca. Est-ce qu'il veut faire un typo quiz? Il a émis une idée, je crois. Je ne sais pas. Quelle est la couleur du cheval bleu blanc d'Henri IV? Arrête, ils ont voulu lui faire hier. Quoi? Ils ont voulu lui faire hier quand il a appelé à la radio pour participer au jeu. Ils ont dit, bon, allez, on va lui poser une question. Et c'est la question qui était sortie. Et au bout d'un moment, ils ont dit, non, mais en fait, on va lui poser une vraie question, quoi. Oui. Je rentre du taf et j'avais envie de massacrer la petite. Alors, j'ai un four. Et avant ça, on va quand même l'ouvrir pour prélever oui, ses engagements. Avant, on récupère les pièces détachées. En toute simplicité, t'inquiète. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que... Je pense aussi. Oui. Ça va, est-ce que tu auras fait ton deuil si jamais on l'incinère après avoir fait la recherche, ou alors tu préfères qu'elle soit enterrée et faire ton deuil dignement? Oh, le jeu, il... Nope, le jeu est idée. Nope. Ouais, là, il est fait « Nope, 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 tu ne feras pas !» D'ailleurs, ça bloque tellement, c'est pour ça que des fois, elle répond peut-être pas forcément tout le temps, parce que justement, elle n'entend pas ce qu'on dit. Donc, elle va avoir tout en différé. Ouais, elle va avoir des différés pas mal, là. Ça diffère de l'original. Oh. Ouf, après, est-ce que l'original vaut vraiment le coup? Oui, c'est toujours bien, l'original. Presque. Presque. après que j'ai dit ça, je me suis dit, après, tu ouais, te dis, non, des fois, fait, l'original. Des fois, tu te dis, quand tu écoutes des musiques, l'original, tu te dis, c'est tellement mieux. Et après, des fois, tu te dis, ouais.
Ouais, bon, là, je crois qu'on va arrêter là, hein, parce qu'on n'aura pas mieux. Oh, le joint de temperature. Il y avait un truc avec la température. Ouais, bah, désolé, ils verront demain. Hein. My temperate. Oh, I gotta work to beat the day you mind again alone. Je connais pas les paroles. Je fais du yaourt. Tu écrases la sauvegarde. Ouais, pour garder qu'une seule partie. Bon, le jeu rame tellement qu'il sait même plus où est-ce que je sauvegarde le machin. Ouais, bah, on croit que ton. Bon. Ton live, il est capoute. Vas-y, je vais arrêter de regarder. Comme ça, tu peux arrêter ton stream si tu le stream sur Discord. Je vais voir si on peut récupérer un peu. Hop. Est-ce que... Bon, pour le moment, pas trop de changements. Ouais, sur le jeu, quand même, ça, sur la fin, ça a montré que ça avait quand même assoupli les choses. Mais là, maintenant, il faut que le temps que le live retrouve son retard. J'ai cassé le live. Oh, ma femme a cassé tout. Hop. Hop. Et il y a... Ah, il y a quelqu'un sur le... sur Frostpunk. C'est qui? Ah, je le connais pas. Oh, c'est pas une chaîne réservée aux follow. Oh, c'est gentil. Est-ce qu'il va parler quand tu vas nous amener là-bas? Je suis en train de le tester, on va le savoir très vite. Eh, il parle et il lit. Un miracle. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de chaînes. Soit elles sont follow, réservées aux follow, soit ils parlent pas, quoi. Des fois, c'est compliqué, hein. Des fois, sur certains jeux assez connus, je passe 5-6 chaînes avant d'en trouver une. Hein. Ma foi, elle est pas ma fille, et puis elle écoute tellement pas qu'elle a failli se faire rouler dessus plusieurs fois. Wow! Par une trottinette, par un gamin qui... Une laisse, ça peut être utile. C'est pas évident quand ils écoutent pas. Hein. Donc, je peux comprendre. Puis en plus, tu m'avais expliqué que les devoirs, c'était compliqué avec elle, parce qu'elle comprenait pas grand-chose. Enfin, elle avait pas envie d'apprendre et tout ça, donc... Je cherche des paroles pour une musique sur le thème de Kata. Ah bah, je te souhaite bon courage. Bon, moi, sur coup, je vous fais des bisous, je suis foutue. Bonne...